Alors, parmi les choses dont on a besoin pour gérer un projet, la plus importante, c'est sans doute un certain nombre d'outils d'organisation. Et donc, c'est le thème de ce cours. Alors, les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Normalement, au terme de cette formation, vous devez avoir des notions d'animation de réunion. Et donc, je vous parlerai du PDCA et globalement de qu'est-ce qu'on fait pour faire une réunion qui soit productive. Hein. Deuxièmement, on abordera des outils à proprement parler, des outils de gestion de projet. On parlera un peu de l'analyse fonctionnelle, que nous reverrons plus en détail dans le cours que nous ferons demain. Je vous parlerai du diagramme des travaux, du diagramme des responsabilités, du PERT, du Gantt. Vous apprendrez comment on calcule un chemin critique. Et puis troisième point, ici on a essentiellement parlé de la préparation du projet, ce qu'on appelle la phase de montage. Donc après cette phase de montage, qui est essentiellement ici, je vous proposerai qu'on parle de la phase de pilotage. Donc la phase de pilotage, c'est quand le projet est en cours, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est l'avancement, réguler, etc. Alors donc le premier chapitre est consacré à l'animation de projet et essentiellement aux réunions.